Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ce troisième unboxing. J'avais tellement hâte quand je les ai reçus, j'étais trop contente. On y va. Alors j'ai déjà ouvert sur les côtés, mais j'ai pas encore tout regardé dedans et j'ai tellement hâte. Alors ça vient de la boutique Figures d'Art. J'ai trouvé juste en cherchant sur internet parce que je cherchais des modèles bien précis. Du coup, ça c'est pour Noël. C'est des toiles que je vais faire pour Noël. Donc, on commence par celle-là qui est genre trop marrante. Alors, au niveau de la boîte, bon, la boîte elle est plutôt solide. Il n'y a pas trop rien à dire. Ok, ici vous avez la marque, la source d'inspiration. Et ici vous avez l'image du diamond painting, de la toile, son numéro de référencement, je suppose. Et de l'autre côté, vous avez qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc, vous avez la toile adhésive numérotée, le kit de sachet numéroté de diamant, une pince métallique. Ça, c'est ce qui me manquait. En tout cas, ici, c'est ce qui me manquait. Donc, c'est cool qu'ils en aient. Un stylet, donc, avec, je pense, la petite mousse, vous savez, pour tenir, de la cire et une petite barquette à diamant. Donc, on est parti. Alors, les boîtes ne sont pas fermées. Je veux dire, c'est dans le plastique, mais c'est pas fermé. Donc, ça a l'air d'être une boîte rigide. Alors, hop. Alors, donc, la toile, on y va. Alors, c'est la première fois que je commande chez eux. Donc, voilà. Donc, voir ce que ça vaut. Alors, tic. Allez, à sortir les diamants. Yes. Alors, on a donc notre petite kit d'échantillon. Enfin, de. Échantillon de. De petits outils, hop, et le chat descend, you. Merci. Alors, on a quoi dans ce petit? Alors, on a la mousse qu'on va mettre tout de suite sur le stylet. Moi, j'adore ces mousses là, j'en ai toutes les couleurs. Là, j'ai pas. Est-ce que ça glisse? Non, ça n'a pas l'air de glisser. On est bien. Le stylet, donc là, pour un diamant, là, on en a trois. Derrière, un qui se fixe, et là, on en a. Alors, il y a un qui est cassé, je sais pas d'où ça vient, mais il y a un petit bout là que j'ai en plus, je sais pas du tout d'où il vient. Bon, j'espère que c'était pas si grave. Sans mal les trucs pour placer là, j'aime pas trop ça, parce que j'ai beaucoup de mal. Donc même le rouleau là que j'avais eu l'autre fois, c'est vraiment c'est pas, je trouve pas c'est très pratique. J'aime bien un par un en fait. Alors on a quoi? On a 1 2 alors là ça doit être donc 1 3 5, 6 et 9, je présume. C'est souvent commun. Ensuite, la petite barquette. Ah, ça, c'est génial. Ça me sauve la vie. Des petits plastiques. Justement, pour mettre les diamants. Donc, si on n'a pas de boîte ou même, ça peut toujours servir pour mettre les pattes. Les... Ça, oula, ça va être bien, bien utilisé. Et la petite pince. Alors, c'est du plastique, mais elle peut servir à replacer les diamants sur une toile. On est pas mal. Et les deux petites cires, voilà. Bon, kit de base, mais la pince fait plaisir. Il n'y a pas ça dans tous les kits. Donc, voilà, il n'y a pas des pareils pour placer la différente taille pour ceux qui utilisent. Et là, alors, j'ai un bout. Il y a un truc qui s'est cassé. Mais alors là, je suis incapable de dire quoi. C'est peut-être un raté parce que je vois que ça, c'est en plastique transparent. Il y a un des... là, qui est en plastique. Donc, ça vient peut-être de ça. Je vais le garder au cas où si jamais je retrouve et je le recolle. Bon. Hop. Hop. Et les petits plastiques. Ça fait. C'est vraiment chouette, quoi. Parce que. Bah, mine de rien, les diamants, au bout d'un moment, quand vous faites une toile, deux toiles, bah, si vous en reste, vous en reste. Enfin, pas mal, quoi. Et ensuite, on a donc les diamants. Alors. Ce sont des carrés. Alors ça va être la première fois, si je regarde bien, ouais, ce sont des carrés. Ça va être la première fois que je fais une toile carrée.
Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai fait que des ronds. Alors carré, ça donne un résultat peut-être un peu plus... C'est-à-dire que comme les diamants, ils sont collés, ça doit être un peu plus joli à regarder. Mais voilà, je vais tester. J'ai pris en carré. Bon, ben, on verra. Hein. Voilà. Alors, niveau des diamants... ça a l'air... Alors, désolé, il y a... Comme c'est le soir, il y a... Je suis obligée d'allumer la lumière pour faire la vidéo, donc c'est pas très chouette pour vous. Ah, désolé, un petit défaut, il y a du bleu dans le jaune. Bon, il y a quelques loupés, mais ça reste les loupés qu'on peut connaître. On se dit bien que c'est des machines qui coupent et que peut y avoir des ratés. Ok, bon, on va compter le nombre de couleurs après, en fonction de ce qu'on a. Sur la toile. Alors, la toile, donc c'est une 40 par 50 et c'est un portrait. C'est cette petite grenouille, je le retrouve en fait. C'est la grenouille de toilette en fait, et c'est techniquement pour mettre sur une porte de toilette. Voilà, c'est voilà. C'est vraiment pour mettre sur la porte des toilettes. Alors au niveau de la toile, toile très fine, beaucoup plus fine que celle de chez Action, mais bon, ça encore ça veut rien dire. Ça colle bien, ça colle bien. Et la toile est pailletée, et ça c'est marrant. Bon, c'est sympa. C'est voilà, c'est pas forcément moi une toile pailletée ou pas. Bon, mais elle est pailletée, ça apportera pas grand chose, je suppose. Mais ensuite ici, alors vous avez ce que c'est. Alors en objet, donc du diamond painting, le numéro donc qui est référencé aussi sur la boîte, la taille donc 40-50, la marque. Et alors ici, et ça c'est génial. C'est c'est juste génial. On a du coup 26 couleurs. C'est affiché directement sur la toile et en plus ça vous met les couleurs, les numéros et après le numéro de chez Figure d'Art. Du coup, si on commande, je suppose, d'autres toiles, c'est cool parce qu'on pourra mettre ensemble les diamants. Parce que chez Action, on peut pas. C'est relou, quoi. Donc, ouais. Et ça, c'est vachement bien. On va voir combien on a. J'avais vu des petites listes. Ça, c'est quoi? Manuel d'utilisation, donc vous avez un manuel d'utilisation qui est en français, en anglais, en allemand et en espagnol, je suppose. C'est ça. Voilà, qui est en noir et blanc. Et vous avez... Ah, trop bien! Et vous avez une petite feuille toute petite qui récapitule un peu ce qu'on voit sur la toile. Alors par contre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. D'accord. C'est la même chose. Je regarde, mais ça a l'air d'être la même chose. Alors, par contre, il ne met pas combien on a de sachets par couleur. C'est, à la limite, le seul truc qui est... on sait qu'on a 24 couleurs, quoi. Mais ça reste... voilà, on sait qu'on a 24... Alors, peut-être que c'est mis ailleurs. J'ai pas tout... Non, c'est... Je regarde, mais ça, non, c'est pas mis ailleurs. On a nos 26 couleurs. On va voir si on a 26 couleurs. Je replie la toile. Alors, les couleurs. Alors, déjà, on a 26 paquets. Si on a 26 paquets, je suppose qu'on a 26 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5, c'est cette couleur-là. Elle apparaît où sur la toile? C'est une espèce de couleur beige. Ouais. C'est le quoi? C'est le... Ah oui, en plus, là, sur les sachets, il y a marqué le DP, il y a marqué la couleur. Après, ça doit être le bain. Et avec quel DP ça va? Donc, en fait, ouais, DP 1101, c'est bon. Mais alors là, je vois pas du tout. C'est quoi? C'est du... le 5, c'est quoi? Le 5... le 5 c'est du 5 en fait. Ah non, mais pas du tout. 677, si c'est ça. Alors c'est du 5. Alors c'est où?
Ah oui, alors en fait, attendez, faites voir le modèle. Ouais, parce que du coup, en fait, sur la toile, ça apparaît vert clair, alors qu'en fait, sur le modèle, c'est pas du tout vert clair, c'est beige. C'est en fait les tons beige que vous pouvez avoir, beige jaune, quoi, que vous pouvez avoir ici et là. Ok, celui-là, j'étais en train de m'inquiéter. Voilà, non. Non, non, pas du tout. Bon, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5, j'en ai 3 paquets, 6, 7, 8, 8, j'ai 2 paquets, 9, 10, 11, 12, 13, 2 paquets de 13, 14, 15, ouais, 16, ah, ce vert-là est choupi, 16, 17, 18, 19, 20, j'ai deux paquets, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Bon, il y a l'air d'avoir le compte au niveau des... En tout cas, il y a 26 couleurs différentes. Ça, c'est bien. Mais je viens de voir un truc sur les sachets. Il y a marqué 45 x 55. Or, la toile, elle fait 40 x 50. Bon, je me doute qu'ils ont dû mettre des diamants en plus au cas où. Enfin, j'espère. Ça, je vous le dirai au moment de faire les diamants, tout simplement. En tout cas, ça va être marrant parce que ce dessin est genre très drôle. Donc, ça va être bah, encore un plaisir à faire, j'espère. Et puis, voilà. Donc, je vais la replier. Je suis très, très contente. Alors non en fait, et ben, je vais les scotcher à côté et les kits d'outils je vais les mettre dans ma boîte d'outils. Ensuite, alors le deuxième c'est pareil, c'est un cadeau pour Noël, ça vient de la même boutique, donc figure d'art. Et c'est le DP525, ça doit être, c'est des carrés aussi, et c'est une 40-50 également. Alors... on y va. Et celle-là, ça va vraiment être un truc génial parce qu'il y a beaucoup de bleu. Et le bleu, c'est... j'adore le bleu. Voilà. C'est vraiment... le bleu, c'est ma couleur préférée, clairement. Hop. Alors, pareil, on a... ah ah. Oh oh. On a notre petit... petit kit de matériel. Alors, est-ce qu'on a la mousse? Je la vois pas. Oui, on a la mousse. Alors, on a tout. Hein. Je vais pas la rouvrir parce qu'il y avait l'autre. Mais on a exactement les mêmes choses. Voilà. Hop. Au niveau des diamants. Oh là là, ouais, ils sont trop beaux. Non, c'est juste des couleurs que j'aime. Et ça, on vire aussi. Voilà, on n'a pas besoin. Parce que ça, du coup, c'est des toiles que je vais faire. Alors là, on est aujourd'hui, on est le 5, là où je tourne, on est le 5 octobre. Donc c'est des toiles que je pense d'ici la fin du mois, elles seront finies en fait. Ou alors je mets la réserve pour novembre-décembre parce que c'est vrai que j'ai des toiles d'Halloween à faire. Oh là là, il y a beaucoup de toiles à faire là, ça commence à s'accumuler. Bon, hein, on va se calmer un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent la notice? Elle est là. Est-ce qu'elle veut bien tomber? Oui, la notice veut bien tomber. Voilà. Alors, au niveau, donc on a pareil, la petite note, le manuel d'utilisation, là, en noir et blanc. Et voilà. Alors, un petit récap du modèle. Donc, vous avez le modèle, la marque, la taille, les diamants carrés,
diamant rond quand c'est rond. Et il y a 25 couleurs. Bah, il y a autant de couleurs que l'autre. Il y a beaucoup de violet, de bleu. Et ça, c'est trop bien. Et pareil, vous avez là le nombre de couleurs. Vous avez bah, sur la toile, les références sur la toile. Et à côté, bah, la couleur en fait. Et ça, c'est bien parce que... Est-ce que j'ai des couleurs en commun avec l'autre? Je ne pense pas. Alors, peut-être le noir. Le noir qui est 30, 30... Ah si, j'ai du R. J'ai 19 R, 30, 33. On est bien. 38, 38, 65. Non. Ah si, 38, 65 du blanc. J'ai du blanc et du noir. Et ça, c'est cool parce que s'il m'en reste de l'un, bah, je vais pouvoir la rajouter à l'autre. Et c'est bien ça. Donc, on a 26, 25 couleurs. Alors, bah, on va regarder ça tout au-dessus. Alors... 1, 2, 3. Donc là, j'ai 3 bleus. En plus, les diamants. Ah, ce bleu-là est juste... c'est du bleu, hein, mais il est trop beau, en fait. J'adore ce bleu marine. 4, 5, 6. Là, pareil, on a un bleu violet. Oh, loulou, ça va être tellement un plaisir à faire. Celle-là, vraiment, je l'attendais. Avec impatience. Ok. Là, vous avez pareil du bleu. Oh, du bleu, du violet, moi. Voilà. Oh là 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 là. C'est génial. Et les diamants, bah. Ont l'air pas trop mal, ça va? Là, on a du noir. Ah ouais. Et là, le dernier. J'aime bien cette couleur aussi. C'est blanc sans y être blanc. Non mais en fait ça se trouve que c'est plus du blanc et c'est moi je suis juste myope mais hein. Non non je vous jure c'est du blanc mais sans être blanc en fait. Gris et tout. Alors après c'est un... Il y a les 26 couleurs hein. C'est un modèle qui a lieu bah, dans la nuit en fait. Enfin c'est ça c'est dans la nuit donc évidemment c'est... C'est normal qu'il y ait beaucoup de bleu tout ça mais moi j'adore hein. Je passe vraiment... j'adore regarder les... même les diamants, rien que regarder les diamants. Voilà quoi, c'est waouh. C'est waouh. Alors, il est aussi en mode portrait. Donc, il est comme ça. Il est comme ça. Je kiffe en fait. J'aime bien, j'adore vraiment. Donc, pareil, vous avez le récap en haut. Donc, l'objet, le nom, enfin, le numéro et la taille. Et sur le côté, vous avez des deux côtés bah, les références des couleurs. Pareil, la toile assez fine, mais bon. Et ça colle bien. Ça colle bien. Il y a quelques bulles d'air, bon, c'est pas très grave ça. C'est des bulles d'air du plastique, donc ça va. Voilà. J'ai retourné dans mon sens pour vraiment voir, mais si jamais à la lumière un peu, ouais. Non, franchement, j'ai vraiment hâte de la faire. J'ai vraiment hâte de la faire. Bon, là, je vais remettre ça dedans. Ça va être génial. Ça va être génial. Ah, j'ai vraiment, vraiment hâte. Mais voilà, je vais commencer par la grenouille. hop. Bon, je vais ranger ça après. Bah, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Et je vous dis bah, à une prochaine pour un nouvel unboxing, un avancement de toile ou qui sait peut-être. Ouais, je pense que ça va être un avancement de toile, je pense vraiment. Voilà, pour montrer aussi ce que j'ai fait, ce que j'ai fini. Ouais. Bon, bah à bientôt, hein. Ciao.